Alors, Monsieur Soral, merci encore une fois de nous accorder quelques instants après deux procès. Oui, deux procès qui se sont enchaînés, deux procès d'appel qui étaient l'un derrière l'autre. Là. Il y avait la quenelle de Berlin en appel, l'histoire de ce geste que j'ai fait devant une stèle en 2012 à Berlin, qui m'a valu, je le rappelle en première instance, 31 000 euros de condamnation. Parce que sur le reste, on s'en fout de dire injure raciale, machin. On connaît tout le rituel de châtiment et de soumission. Mais ce sont les sommes qui sont intéressantes. C'est ce dont on a parlé d'ailleurs, vous voyez là. 31 000 euros en première instance pour un geste sur un smartphone en 2012. Et la deuxième condamnation, le deuxième procès d'appel pour une deuxième condamnation qui était très liée au premier, c'est que j'ai été aussi condamné pour avoir lancé un appel aux dons pour m'aider à faire face à mes persécutions. Parce que ça aussi, la loi prévoit que vous devez assumer seul les condamnations que vous subissez, même si ce sont pour des combats politiques et collectifs. C'est là-dessus que j'ai plaidé. Hein. Donc je suis non seulement condamné pour ce que je dis, hein, c'est-à-dire du opinion, mais je suis aussi condamné à des amendes aussi, hein, quand des gens m'aident à assumer les condamnations pour ce que je dis. Vous voyez, c'est-à-dire que le système est vraiment fait pour que je sois seul et nu face à la meute. Parce que de l'autre côté, par contre, comme vous avez pu le remarquer, il y avait 6 ou 7 parties civiles, aux noms les parfaitement fantaisistes, avec des fois 0 membres, mais qui demandent tous la livre de chair. Hein, voyez. Donc vous voyez comment le système est fait. Hein. C'est pour que je sois massacré par une meute, mais que moi j'ai l'obligation d'être seul et les mains attachées dans le dos. Vous voyez. Donc c'est très instructif. C'est pour ça qu'on a fait venir un sténographe, là, parce que maintenant, on va se servir des procès, en plus des vidéos du mois, comme pour faire de la pédagogie. Parce que je pense que ce sont soi-disant des audiences publiques. Mais vous avez vu que c'est impossible d'accéder au tribunal et que la salle ne permet pas de faire entrer plus de 20 personnes. En réalité, si c'était des audiences publiques, ça devrait être comme aux États-Unis. On devrait avoir le droit de filmer et d'enregistrer pour diffuser après que le peuple français sache ce qui se passe dans les tribunaux. Parce que c'est pas du huis clos. Mais en fait, c'est du huis clos déguisé. Parce que moi, je dis bien que si les gens assistaient au procès à mes procès tels qu'ils se passent, ils seraient scandalisés de la bassesse et de la malhonnêteté des parties adverses, de la partialité souvent des juges et de l'iniquité des jugements qui sont rendus contre moi. Alors aujourd'hui, pour pallier à ça, comme nous avons le droit de prendre des notes, nous allons faire de ces procès des procès d'égalité et réconciliation, les grands procès d'égalité et réconciliation. La quenelle de Berlin, l'appel aux dons, j'en ai je sais pas combien. Donc dans cette logique-là, aujourd'hui, on va essayer, en plus des vidéos du mois que je fais d'analyse qui me valent mes procès, mes condamnations, faire des vidéos pédagogiques pour expliquer ce qui s'est joué au tribunal, de quoi étaient faits ces procès, quelles ont été les plaidoiries, qu'est-ce qui s'y est dit, etc. Puisque le public n'a accès qu'au jugement par le truchement du commentaire médiatique. Les médias disent « Alain Soral a été condamné à temps ». En général, ils disent juste la condamnation, ils ne disent pas les parties civiles, les articles 700, etc. C'est-à-dire qu'ils vous disent, quand ils vous disent 3 000 euros, en général, c'est 20 000. Hein. Ils mentent grâce à ça, par des arguties, et les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Et nous allons faire en sorte de plus en plus, parce que je pense que c'est peut-être un moyen aussi que ça s'arrête ou que ça se freine un peu, nous allons nous donner les moyens de faire en sorte que les gens sachent ce qui se passe à mes procès. Et je pense que rien que ça, c'est éminemment subversif, en plus d'être pédagogique. Et ça peut peut-être être le moyen de faire en sorte que ceux qui m'envoient systématiquement au tribunal se calment un peu, parce que ça pourrait devenir contre-productif pour eux. Voilà. Mais je crois que c'est aussi le moyen et le moment de dire que, puisque vous avez été, vous serez probablement condamné en appel. Je suis systématiquement condamné, je crois. Pour avoir fait appel aux dons pour vous aider, c'est le moment de dire qu'il faut que... Oui, alors on peut me faire des dons en réalité, mais c'est à moi de ne pas dire pourquoi sont ces dons. Et en fait, j'avais commis une fanfaronnade dans une vidéo, c'est de dire j'ai été condamné à 35 000 euros par Delanoé, ce qui était gigantesque, et j'ai recueilli cette somme dans un délai assez court. J'ai commis une erreur parce que je ne savais pas qu'il y avait cette loi qui me semble tellement inique que je n'avais pas le droit de me faire aider pour payer des condamnations, sachant que ce sont des condamnations pour du délit d'opinion, dans un combat politique et collectif. Hein, y a un sens. Je ne demande pas de l'argent pour avoir écrasé une vieille dame ou tué quelqu'un, vous voyez. Mais je ne savais pas que cette loi existait. Je l'apprends à mes dépens, j'apprends que le système est très bien fait pour que je sois seul et nu face à la meute, vous voyez. Donc, à l'avenir, vous pouvez me faire tous les dons que vous voulez, et je vous incite à en faire, parce que j'ai pour 500 000 euros de promesses de condamnation qui s'accumulent, mais il suffit que ces dons ne soient pas motivés dans le temps et dans l'espace, quoi, si je puis dire. Hein, voilà. Donc cette erreur que j'ai commise, une erreur de bonne foi et une erreur qui me semble très morale, il était tout à fait normal dans un monde, dans une vision saine des choses que j'appelle à ce que les gens m'aident pour une question précise. Voyez. Maintenant, vous pouvez absolument m'aider et me faire des dons, c'est sur le site. Il faut simplement que ce ne soit pas
précisé et motivé. Voilà, vous m'aidez tout court. Voilà. Et merci de m'aider tout court. Il y avait une dernière question que Mediapresse Info voulait vous poser aujourd'hui. Puisqu'on est le jour anniversaire des attentats de Charlie et qu'on entend parler ad nauseam, quelle est votre analyse de cette utilisation de ces attentats ? Bah déjà, par la manière dont les médias et le politique se sert de cet événement tragique, on sait bien effectivement que cet événement tragique n'a existé en gros que pour être utilisé politiquement. Donc après, de savoir si c'est de la récupération et ou si c'est de l'instrumentalisation et jusqu'où peut aller l'instrumentalisation, jusqu'à la mise en œuvre, hein, tout est possible. Hein. On a vu de très bons films américains qui racontent ce genre d'histoire, qui sont en général, dont les scénaristes sont en général des anciens membres et cadres des services. Hein. Donc y a pas, la fiction souvent ressemble à la réalité, hein, et réciproquement. Donc effectivement, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'État français, qui est en faillite politique par rapport à une crise économique, sociale et même ethnico-religieuse qu'ils sont incapables de régler alors qu'ils l'ont créé de toutes pièces, ont décidé aujourd'hui de recourir à la stratégie du bouc émissaire et de dire en gros « haro sur le baudet », en l'occurrence « haro sur le bougnoul », et de créer un état de panique générale et d'angoisse générale sur une permanence de risque d'attentat, permanence de risque d'attentat qui désigne du doigt le musulman et le musulman en général, comme l'a bien dit Tesson, hein, puisqu'il a été relaxé pour l'avoir dit, et qui crée donc un climat de suspicion généralisée, d'angoisse généralisée, de ratonnade potentielle et de missions punitives en réaction. Donc nos dirigeants politiques et médiatiques créent en France volontairement un climat de panique et de guerre civile pour amener à quelque chose qui ressemblera de plus en plus à un état policier, il ne faut pas l'oublier, dont nous serons tous les victimes. Et pourquoi pas, s'ils veulent aller très loin, ils en ont les moyens, à décréter plus qu'un état d'urgence, mais une loi martiale, qui, abolissant les élections, empêcherait peut-être au Front National de finir enfin par gagner les élections. Voilà, c'est-à-dire que le jour où ils comprendront que le Front National peut faire 50% au premier tour, car le Front National ne peut gagner qu'en faisant 50% au premier tour, on l'a compris, puisque même en faisant 40% au premier tour, ils sont battus au deuxième par le système tel qu'il est. Je pense que le système se donne les moyens, même si jamais ils ont leur sondage leur permet d'évaluer que le Front National pourrait accéder au pouvoir par un scrutin de plus de 50% au premier tour. Ils ont dans leur manche la possibilité, je crois, par la communication terroriste, d'abolir la démocratie représentative et d'instaurer l'État policier. Nous en sommes pas loin, hein. On s'en approche de plus en plus. Et comme je l'ai dit, sur le dos du bouc émissaire, que j'ai dit prolétaire et sous-prolétaire musulman de France, qui souvent a été sans doute maladroit dans sa communication, mais qui aujourd'hui est bien désigné comme la bête qui doit être sacrifiée pour que le citoyen lambda supporte une crise de plus en plus insupportable, hein, et pas pour la résoudre, bien évidemment. Les procès d'égalité-réconciliation, les grands procès d'égalité-réconciliation, la quenelle de Berlin, l'appel aux dons, j'en ai je sais pas combien. Donc dans cette logique-là, aujourd'hui, on va essayer, en plus des vidéos du mois que je fais d'analyse qui me valent mes procès, mes condamnations, faire des vidéos pédagogiques pour expliquer ce qui s'est joué au tribunal, de quoi étaient faits ces procès, quelles ont été les plaidoiries, qu'est-ce qui s'y est dit, etc. Puisque le public n'a accès qu'au jugement par le truchement du commentaire médiatique. Les médias disent « Alain Soral a été condamné à temps ». En général, ils disent juste la condamnation, ils disent pas les parties civiles, les articles 700, etc. C'est-à-dire qu'ils vous disent, quand ils vous disent 3 000 euros, en général, c'est 20 000. Hein. Ils mentent et grâce à ça, par des arguties, et les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Et nous allons faire en sorte de plus en plus, parce que je pense que c'est peut-être un moyen aussi que ça s'arrête ou que ça se freine un peu, nous allons nous donner les moyens de faire en sorte que les gens sachent ce qui se passe à mes procès. Et je pense que rien que ça, c'est éminemment subversif, en plus d'être pédagogique. Et ça peut peut-être être le moyen de faire en sorte que ceux qui m'envoient systématiquement au tribunal se calment un peu, parce que ça pourrait devenir contre-productif pour eux. Voilà. Mais je crois que c'est aussi le moyen et le moment de dire que, puisque vous avez été, vous serez probablement condamné en appel... Je suis systématiquement condamné, je crois. Pour avoir fait appel aux dons,
pour vous aider, c'est le moment de dire qu'il faut que... Oui, alors on peut me faire des dons en réalité, mais c'est à moi de ne pas dire pourquoi sont ces dons. Et en fait, j'avais commis une fanfaronnade dans une vidéo. Les médias et le politique se servent de cet événement tragique. On sait bien effectivement que cet événement tragique n'a existé en gros que pour être utilisé politiquement. Donc après, de savoir si c'est de la récupération et ou si c'est de l'instrumentalisation, et jusqu'où peut aller l'instrumentalisation, jusqu'à la mise en œuvre, hein, tout est possible. Hein. On a vu de très bons films américains qui racontent ce genre d'histoire, qui sont en général, dont les scénaristes sont en général des anciens membres et cadres des services. Hein. Donc y a pas, la fiction souvent ressemble à la réalité, hein, et réciproquement. Donc effectivement, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'État français, qui est en faillite politique par rapport à une crise économique, sociale et même ethnico-religieuse qu'ils sont incapables de régler alors qu'ils l'ont créé de toutes pièces, ont décidé aujourd'hui de recourir à la stratégie du bouc émissaire et de dire en gros « haro sur le baudet », en l'occurrence « haro sur le bougnoul », et de créer un état de panique générale et d'angoisse générale sur une permanence de risque d'attentat, permanence de risque d'attentat qui désigne du doigt le musulman et le musulman en général, comme l'a bien dit Tesson, hein, puisqu'il a été relaxé pour l'avoir dit, et qui crée donc un climat de suspicion généralisée, d'angoisse généralisée, de ratonnade potentielle et de missions punitives en réaction. Donc nos dirigeants politiques et médiatiques créent en France volontairement un climat de panique et de guerre civile pour amener à quelque chose qui ressemblera de plus en plus à un état policier, il ne faut pas l'oublier, dont nous serons tous les victimes. Et pourquoi pas, s'ils veulent aller très loin, ils en ont les moyens, à même une... Monsieur Soral, merci encore une fois de nous accorder quelques instants après deux procès. Oui, deux procès qui se sont enchaînés, deux procès d'appel qui étaient l'un derrière l'autre. Là. Il y avait la quenelle de Berlin en appel, l'histoire de ce geste que j'ai fait devant une stèle en 2012 à Berlin, qui m'a valu, je le rappelle en première instance, 31 000 euros de condamnation. Parce que sur le reste, on s'en fout de dire injure raciale, machin, on connaît tout le rituel de châtiment et de soumission, mais ce sont les sommes qui sont intéressantes. C'est ce dont on a parlé d'ailleurs, vous voyez là, 31 000 euros en première instance pour un geste sur un smartphone en 2012, et la deuxième condamnation, le deuxième procès d'appel pour une deuxième condamnation qui était très liée au premier, c'est que j'ai été aussi condamné pour avoir lancé un appel aux dons pour m'aider à faire face à mes persécutions. Parce que ça aussi, la loi prévoit que vous devez assumer seul de dire « j'ai été condamné à 35 000 euros par Delanoé, ce qui était gigantesque, et j'ai recueilli cette somme dans un délai assez court. » J'ai commis une erreur parce que je ne savais pas qu'il y avait cette loi qui me semble tellement inique que je n'avais pas le droit de me faire aider pour payer des condamnations, sachant que ce sont des condamnations pour du délit d'opinion dans un combat politique et collectif. Hein, il y a un sens. Je ne demande pas de l'argent pour avoir écrasé une vieille dame ou tué quelqu'un, vous voyez. Mais je ne savais pas que cette loi existait. Je l'apprends à mes dépens, j'apprends que le système est très bien fait pour que je sois seul et nu face à la meute, vous voyez. Donc, à l'avenir, vous pouvez me faire tous les dons que vous voulez, et je vous incite à en faire, parce que j'ai pour 500 000 euros de promesses de condamnation qui s'accumulent, mais il suffit que ces dons ne soient pas motivés dans le temps et dans l'espace, quoi, si je puis dire. Hein, voilà. Donc cette erreur que j'ai commise, une erreur de bonne foi et une erreur qui me semble très morale, il était tout à fait normal dans un monde, dans une vision saine des choses que j'appelle à ce que les gens m'aident pour une question précise. Voyez. Maintenant, vous pouvez absolument m'aider, me faire des dons, c'est sur le site. Il faut simplement que ce ne soit pas précisé et motivé. Voilà. Vous m'aidez tout court. Voilà. Et merci de m'aider tout court. Il y avait une dernière question que Mediapresse Info voulait vous poser aujourd'hui. Puisqu'on est le jour anniversaire des attentats de Charlie et qu'on entend parler ad nauseam, quelle est votre analyse de cette utilisation de ces attentats? Déjà par la manière dont les condamnations que vous subissez, même si ce sont pour des combats politiques et collectifs. C'est là-dessus que j'ai plaidé. Hein. Donc je suis non seulement condamné pour ce que je dis, hein, c'est-à-dire du délit d'opinion, mais je suis aussi condamné à des amendes aussi, hein, quand des gens m'aident
à assumer les condamnations pour ce que je dis. Vous voyez ? C'est-à-dire que le système est vraiment fait pour que je sois seul et nu face à la meute. Parce que de l'autre côté, par contre, comme vous avez pu le remarquer, il y avait 6 ou 7 partis civils, aux noms les plus parfaitement fantaisistes, avec des fois 0 membres, mais qui demandent tous la livre de chair. Hein, voyez. Donc vous voyez comment le système est fait. Hein. C'est pour que je sois massacré par une meute, mais que moi, j'ai l'obligation d'être seul et les mains attachées dans le dos. Vous voyez. Donc c'est très instructif. C'est pour ça qu'on a fait venir un sténographe, là, parce que maintenant, on va se servir des procès, en plus des vidéos du mois, comme pour faire de la pédagogie. Parce que je pense que ce sont soi-disant des audiences publiques. Mais vous avez vu que c'est impossible d'accéder au tribunal et que la salle ne permet pas de faire entrer plus de 20 personnes. En réalité, si c'était des audiences publiques, ça devrait être comme aux États-Unis. On devrait avoir le droit de filmer et d'enregistrer pour diffuser après que le peuple français sache ce qui se passe dans les tribunaux. Parce que c'est pas du huis clos. Mais en fait, c'est du huis clos déguisé. Parce que moi, je dis bien que si les gens assistaient au procès à mes procès tels qu'ils se passent, ils seraient scandalisés de la bassesse et de la malhonnêteté des parties adverses, de la partialité souvent des juges et de l'iniquité des jugements qui sont rendus contre moi. Alors aujourd'hui, pour pallier à ça, comme nous avons le droit de prendre des notes, nous allons faire de ces procès des